Journée de mobilisation hier à Lille, d'abord à 13h à l'appel du collectif Fédère doit tomber. Près de 200 personnes se sont réunies face à la statue du général installée place Richebet. Une manifestation émaillée de tensions avec des militants identitaires. Nous l'a dit Xavier Silly, Mathieu Guillot. Plusieurs centaines de manifestants se sont réunis place de la République à Lille en face du monument dédié au général Federbe. Décolonisons l'histoire et la mémoire, c'est la phrase qui a été scandée par la foule. À l'appel de l'association Survie Nord, à laquelle le collectif des sans-papiers s'est joint, les manifestants demandent le retrait de la statue de l'ancien administrateur colonial du Sénégal, ou au moins la pose d'une plaque explicative revenant sur ses actions. La place Richebet sur laquelle trône la statue était inaccessible aux manifestants. Un cordon de policiers a été établi et autour d'eux, une dizaine de militants d'extrême droite sont venus s'opposer à la campagne Federbe doit tomber. Les forces de l'ordre se sont interposées. Les policiers ont fait reculer les manifestants au niveau de la place de la République. Les militants d'extrême droite, eux, ont été repoussés vers le centre-ville et un militant anticolonialiste a été interpellé.